Et salut à tous les gens, Sagatti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Supercross The Game 2. Ça y est les potes, franchement l'ambiance et tout elle est juste ouf. Écoutez-moi ce son. Franchement ça fout la pression quand même, on a l'impression d'être un jeu d'horreur. Mais en tout cas, le petit entrée comme ça est ultra stylé. On va lancer, c'est parti. Allez c'est parti les gars, let's go. Du coup, le mode menu est plutôt stylé, donc j'ai déjà fait mon mode carrière pour essayer de commencer à m'entraîner un petit peu, tu vois, pour que j'aie vraiment le jeu en main, un minimum, pour pouvoir vous faire une vidéo justement pour que ça soit vraiment plus plaisant. Donc du coup, on lance le mode carrière, on continue, c'est parti, carrière, let's go les potes. Donc en tout cas, je vous ferai une vidéo tout simplement aussi pour vous montrer un petit peu la personnalisation. Je vais vous montrer aussi le calendrier de la semaine. Donc ça y est les gars, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'aurais kiffé avoir justement un calendrier avec le lundi, mardi jusqu'au week-end. Et bah ils l'ont fait les potes, donc lundi jour de repos. Là le mardi j'avais un jour de libre, donc du coup je me suis dit let's go, on va faire un jour de pub pour vraiment commencer à se montrer etc. Parce que oui du coup je suis inconnu, donc il faut que je me montre, il faut que je gagne des renommées, il faut que je gagne aussi des courses etc. Que je me montre, tout simplement pour avoir des nouveaux sponsors et pour aussi du coup avoir des fans. Donc en tout cas, jour de pub pour mardi, mercredi, jeudi, bon, mercredi du coup repos, jeudi on va faire un petit entraînement, vendredi jour de repos et week-end journée de course. Du coup c'est parti, on va faire directement la pub, donc on va voir comment ça va se passer. Ça se passe comment? Ok d'accord, petite photo et tout, aïe aïe aïe. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait du coup de l'argent, c'est cool ça, putain. Ok, 1200 de thunes. Du coup, on va continuer avec l'entraînement, donc atterrissage, se pencher, scrub, réflexe, vitesse de course. Bah écoute, on va choisir un truc. Ok, expérience, ça marche, c'est pas mal ça. Ça c'est plutôt cool. On les a à l'intérieur des zones indiquées, la moto répondra plus rapidement pendant les sauts si vous terminez toutes les sessions d'entraînement. Ah putain, ça c'est cool. Du coup, plus on s'entraîne, plus du coup, on aura de la facilité à faire les sauts, etc. Donc en gros, il y aura vraiment... bah un intérêt à s'entraîner, tu vois, c'est pas juste s'entraîner comme ça et voilà, on s'en fout. Là, ça aura un intérêt directement, bah on va faire l'atterrissage, let's go les potes. Ah, ça c'est cool. Putain, ils ont... franchement, il est vraiment très différent. Il est vraiment très différent du 1, mais clairement. Et vous allez voir qu'en game, c'est pareil, il est vraiment très différent les potes, c'est vraiment rien à voir. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, et ça c'est cool. Sauter et atterrisser avec les deux roues dans la zone indiquée. Ok, bah let's go les potes, hein. On va essayer de faire ça. Let's go! Hop, le premier est passé crème. Continuez. Let's go. Ah, c'était juste une fois? Ok, d'accord, je pensais que ça allait faire plus de trucs. D'accord. Bah écoutez, les potes, on va faire la course. Let's go, c'est parti. Allez. Du coup, les qualifications, les hits, le ACQ et le Mate Event. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les qualifs, c'est faire les chronos pour pouvoir simplement avoir une bonne place sur les hits. Les hits, c'est le classement en fait, en gros, enfin c'est les qualifs. Tu te qualifies et du coup, si tu n'as pas de qualifié, tu feras le ACQ, donc le repêchage, pour ensuite arriver au Mate Event. Donc là les gars, on est à Houston, c'est parti. Les amis, du coup, on se retrouve pour la hit. C'est parti, franchement, j'ai galéré. Vous avez vu le monde qu'il y a? J'ai fait le 14e meilleur temps, franchement le terrain est ultra compliqué. Vous allez voir, et de toute façon pour ceux qui vont le tester le jeu et qui vont l'avoir, qui vont l'acheter, vous allez voir franchement il est vraiment très 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 différent du 1. C'est vraiment pas du tout la même chose. Mais tant mieux, franchement c'est pas un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que franchement il est vraiment top. Ah le départ pas ouf. Ah ça va encore, ça va encore, ça va encore, ça va encore. On va essayer de pas trop s'enfermer. Ouais ça va. Allez let's go. Du coup les potes, on a 3 minutes pour se qualifier. La partie là est assez compliquée, je vous avoue, j'ai du mal à la passer depuis tout à l'heure. Ok là ça passe. Ok let's go. Là on va faire gaffe, oups hein, on va pas se torcher. On va pas se faire comme Musquin. Là les oufs sont ultra grosses hein, franchement Ok là je me suis loupé, merveilleux. Ah, j'ai pas voulu faire le gros trip, je pense que je me serais loupé. Ok, là c'est parti. Le terrain est assez compliqué franchement. Mais en fait c'est le jeu.
de Jean lui-même, je crois. Vraiment, il est très compliqué parce que c'est vraiment pas du tout la même physique qu'avant. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très différent. Les virages sont vraiment beaucoup plus durs à prendre. Les sauts aussi, là, pour le s'enchaîner, voilà, je galère à le faire. Franchement, voilà, les enchaînements sont beaucoup plus compliqués. Les virages à tourner, etc. La manip, en fait, en gros, en règle générale, est beaucoup plus compliquée que dans l'ancien. Et franchement, c'est plus dur, mais c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. T'as vraiment plus l'impression que c'est pas en restant accéléré à fond que voilà, tu vas être devant. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est ok, j'ai trouvé l'endroit où aller pour bien les passer, les petites tables de merde là. Le Melt Event, les potes. On est en finale, deuxième course du championnat. Donc, comme je vous rappelle, la première course, j'ai fait hors vidéo pour me faire un petit peu au jeu. Parce que vraiment, vous allez voir, il est vraiment très différent. Je sais que je me répète, mais vous allez voir, vraiment, vous allez être choqués. Hein. Il est vraiment très différent du 1. Hein. C'est pas du tout pareil. Hein. C'est plus genre que t'accélères comme un fou et puis c'est bon quoi. Là, du tout. Là, du tout. Allez, c'est parti. On va avoir une bonne petite place normalement. Ah, ok, Savagey devant Plissinger, ok, il. Franchement, le graphiquement, il est vraiment très beau. Regardez la classe. Pop, 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 ça fait rêver quand même. Ça fait rêver. Graphiquement, il est vraiment très beau. Allez, c'est parti, les potes. La petite Monster Girl. T'as un visage chelou par contre. Allez, toutes KTM Red Bull, ils sont belles. Hein. Enfin, les designs là. Allez, c'est parti, les potes. On va essayer de faire un bon départ. Low shot straight up. Low shot, ça va être dur, très compliqué. Ok, ah, c'est mort. Alex Martin a fait low shot. Bon, ça sert, ça sert, ça sert. Allez, allez, on prend l'extérieur, on se concentre. Ah ouais, ils m'ont poussé, du coup j'ai tout loupé. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Allez, c'est parti, allez, allez, on va prendre l'intérieur. C'est cool parce qu'ils prennent pas tous les mêmes trajectoires. Comme je vous ai dit, les bots sont vraiment beaucoup plus intelligents qu'avant. Et ça, c'est cool. Enfin, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir que Millstone sont pas. Sont pas connus pour l'intelligence de leurs bots. Hein. Ok, donc là, je me suis carrément. Carrément foiré sur les enchaînements. Ok, allez. On est quand même quatrième. Plissinger, je sais pas où il est. Donc, clairement, je suis deuxième du championnat, les potes. Et du coup, faut que je fasse devant Plissinger. Je le vois pas dans le top 10. Il est 11ème, ok, il est 11ème. Oula, ça va être un peu chaud, ça va être un peu chaud. Oh là 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 là, mon gars. Faut que je fasse devant Plissinger pour avoir la petite plaque rouge pour la prochaine course. Allez, allez, allez. On se concentre, on est bien parti. Le premier tour est fait. Alex Marty, je sais plus combien il a fait la dernière fois. Ok, là on le rattrape. Là on prend l'extérieur bien ici, voilà. Pas à fond. Voilà, les enchaînements sont vraiment très importants, c'est vraiment beaucoup plus dur qu'avant et genre tu te loupes sur un enchaînement, c'est mort quoi. Je vais essayer de le resserrer. Ok. Là ça va être compliqué. Bon, j'étais un peu loin là. On va faire un plat. Bon, je vais en faire comme tout à l'heure. Ah bah non, bah du coup ça marchera pas. Bon bah ça marche comme ça, j'ai réussi à doubler comme ça. L'enchaînement qui était pas ouf, là il va me faire l'intérieur je pense. Même pas. Ah non, j'ai pris un peu d'avance, ok, nice. Ok. On va essayer de prendre un peu d'avance et après je vous montrerai un petit peu les scrubs et tout ça. Un petit peu court. C'est vraiment très compliqué, j'espère que après ce sera plus simple avec une petite moto un peu plus préparée. Parce que là j'ai rien dessus les potes, hein. Elle est vraiment, vraiment d'origine. Ok, là j'ai essayé de passer plus à gauche, s'il y a une bosse qui me fait sauter, ou plus au milieu, voilà, comme ça. Voilà. Ok. Ok, là c'est pas mal. Tout enchaînement comme ça qui est pas mal. Là faut pas prendre trop à gauche, voilà, sinon on saute. C'est l'erreur que j'ai faite. Voilà, dès qu'on loupe un enchaînement, après c'est mort. Après on galère. Allez. Les hoops, c'est parti. Je vais me retourner un petit peu pour voir. Ouah, il est juste derrière moi. Ok. Il m'a pas fait l'intérieur. Bizarre. Ok, là on est plutôt bien. Le dernier trip qui va être juste. Oh, juste. Mais j'ai un peu mieux réussi que lui. On va prendre l'intérieur. J'ai pas envie qu'il me coupe.
Ok, donc là faut vraiment prendre bien l'extérieur. Accélère à fond. Voilà. Le gros saut là est ultra compliqué hein. Vraiment bien le faire. Ok, allez, hop. Fais gaffe, 4 minutes 20. Le terrain commence à se déformer. Les ornières ont des conséquences les potes. Je sais pas si vous voyez dans les virages et tout, mais j'ai un peu du mal à tourner parce que justement il y a les ornières. Ça c'est cool. Ah, j'ai encore loupé. Cet enchaînement là est très compliqué hein. En fait faut pas accélérer trop, mais faut accélérer un peu quand même pour pouvoir passer sur le dessus. Compliqué, compliqué. Là je vais trop, beaucoup trop loin à chaque fois. Allez, on va essayer de bien faire l'enchaînement. Pas trop ok, d'accord, c'est mort. C'est mort direct. Ils sont où? Ils sont assez loin. Vous avez vu du coup en bas à gauche, les potes, il y a la map. Ça c'est cool aussi. Ils l'ont remis et ils ont ajouté enfin les adversaires qui n'étaient pas avant et c'était bizarre pour un jeu de course qui n'est pas justement les adversaires, tu vois. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Oh, ça va. Ok, let's go. On est plutôt bien, il reste 3 minutes, les gars. Meilleur temps, 1-10. Sachant que j'ai fait 1-7 tout à l'heure au hit. Ok. Voilà, donc là on accélère pas trop. Voilà. Faut vraiment pas beaucoup accélérer là pour faire les enchaînements bien. Et après, c'est bon après. Faut vraiment gérer son accélérateur. Il y a la petite impulsion maintenant, qui ça qui est cool, qu'avant il n'y avait pas. En gros, on se met en arrière et après en relâchant, du coup, ça fait en gros, tu te propulses, tu vois, tu fais une petite impulsion, ça c'est cool. Avant, il n'y avait pas du tout. Avant, c'était juste à la vitesse. Ah, un peu court, dommage. Pas assez de vitesse. En ce moment, j'ai un peu d'avance parce que. Donc ça c'est les whips les gars. C'est pas ouf hein. C'est pas ouf les whips. Les whips ils aiment vraiment pas hein. Je sais pas pourquoi mais c'est vraiment pas leur dada. Le terrain commence vraiment plus à se déformer hein. Il est vraiment bien déformé. Les appels de saut et tout vous avez vu. À différents endroits c'est plus haut que d'autres. Ok, là on va essayer de bien le prendre, j'accélère pas trop. J'ai trop accéléré. Oh, ça passe mais c'est limite. J'étais un peu trop vite. Pour ceux qui veulent savoir, du coup les potes je suis sur PC hein. Mais je joue manette, mais je suis sur PC en tout cas. Là j'ai tout beaucoup trop loin à chaque fois, c'est ouf. Les mecs ils auraient pu mettre un petit trip. Ok. Ah, j'arrive plus du tout à le faire cet enchaînement. T'as à faire gaffe parce que ils vont remonter à faire des petites erreurs comme ça. Je vais prendre l'intérieur là. Ok, bah ok, je fais de la merde. Voilà. Drapeau jaune, les potes, vous avez vu. Il a mis le drapeau jaune parce que je suis tombé. Bon, ça va, plus Ninja est 7ème donc je perdrai pas trop de points. Enfin, je gagnerai des points par rapport à lui donc je serai toujours en premier du championnat. Mais voilà, ça va être court. Ah, mais t'es sûr, trop court. Il est vraiment dur ce saut. Starling, je sais pas ce qu'il fait. Starling, on est deuxième. Ok, voilà. Je vais faire intérieur. On va essayer de remonter sur Michel. Sur Michel, ah, il lâche pas, hein, Starling. Il lâche pas, il lâche pas. Donc là les potes on joue la plaque hein, clairement hein. On joue la plaque rouge. Pessinger est mal parti, il arrive pas trop à remonter. Donc si je fais une bonne perf, je peux l'avoir. Ouais, il a mieux réussi que moi. On va essayer de lui faire. Ouais non. On va essayer de lui faire à l'intérieur mais c'est pas passé. Allez, on essaie de bien faire le saut. Ils sont pas très loin donc franchement, il y a moyen. Voilà, nickel.
J'ai réussi à le faire. Ça, j'ai pas trop perdu de temps sur eux. Non, Mitchell est en train de partir. Il y avait une seconde là, il a deux maintenant. J'aurais peut-être pas dû les sauter comme ça. Ah, ça va être compliqué les gars, ça va être compliqué. Je pense que ça va être un podium, mais dommage, juste pour une erreur. Ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas. Le jeu est vraiment beaucoup plus dur qu'avant les passes, vraiment. Mais tant mieux, tant mieux. Allez, dernier tour. Je me suis loupé sur l'enchaînement. Ok, y'a moyen. Allez, on accélère bien. Oh les gars, dans le dernier virage, boum, dans le dernier virage les gars. Allez hop, le petit geste qu'on a gagné, ça c'est cool. Oh, je suis content. Let's go les potes. Premier, dans le dernier virage, ça s'est joué. Allez voilà les gars, on est premier, on a du coup victoire 1, 49 points et Passenger 42 du coup. On gagne la plaque rouge, ça c'est cool. Let's go. En tout cas, voilà les potes, la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas, mes impressions au premier avis, en tout cas, le jeu est ultra bon. Et du coup, c'est plutôt cool, on a un calendrier, on peut s'entraîner, on peut faire des journées praise day, on peut faire des journées pub pour gagner de l'argent et pour gagner du coup en même temps de la renommée pour tout simplement se faire connaître et se montrer au niveau des fans pour avoir des nouveaux sponsors, etc. C'est plutôt cool. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace.